Dites-le avec conviction. 6 mars 2022. Déclaration de foi. Je déclare un patrimoine de foi sur ma vie. J'affirme que je réserve des bénédictions pour les générations futures. Ma vie est marquée par l'excellence et l'intégrité. Parce que je fais les bons choix et que je fais des pas de foi, d'autres voudront me suivre. L'abondance de Dieu entoure ma vie aujourd'hui et tous les jours. C'est ma déclaration. Confession de santé divine. La vie éternelle est dans mon esprit et la vie du Christ est la lumière de ma vie. Donc, je refuse de permettre toute transaction ou manifestation des ténèbres dans ma vie. Je suis en Christ, un lieu de sécurité, d'autorité et de domination, où la justice règne suprêmement. Alléluia. J'ai ce que je dis au nom de Jésus. Je suis forte, je suis en bonne santé, je suis bénie, je suis puissante, je suis loin, je suis libre, je suis l'aimée de Dieu, je suis favorisée par Dieu et l'humanité. Je parle ce que je veux voir, non ce que je vois. Je suis une précieuse semence. Je suis sur une bonne terre dans la maison de mon Dieu. Je m'épanouis comme le palmier dans les cours de mon Seigneur. Je porte des fruits en abondance et en sa saison. Je suis rempli de sève et je grandis dans le Seigneur. Et même dans la vieillesse, je serai frais et florissant. Ma feuille ne flétrit pas, et tout ce que je fais prospère au nom de Jésus. Les choses marchent toujours pour moi au nom de Jésus. Je suis le receveur de chaque bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Je suis un esprit. Mon esprit a une âme. Mon esprit et mon âme vivent dans un corps physique. Mon esprit commande mon âme. Mon âme écoute, reçoit et donne des instructions à mon corps. Et mon corps obéit. Au nom de Jésus, je parle à mon corps. La vie indestructible de Dieu est évidente et s'exprime toujours dans ma vie. J'exprime la vie à chaque détail de mon corps. Je parle à mon esprit. Sois parfait comme l'Esprit du Christ et je te commande d'être aligné par la parole de l'Éternel. Je parle vie à mes tendons et mes nerfs. Je parle force à mes muscles et à mes ligaments. Je parle vitalité à mon cœur. Je parle à mes poumons et à mes tissus pour maintenir un taux de ventilation et de perfusion normal. Je parle perfection à mes reins, mon foie et mon pancréas. Il y a de la vie dans chaque cellule de mon sang, mes os, mes articulations et mes cartilages sont alignés, forts et fermes. Mes doigts fonctionnent parfaitement. Mes yeux voient clairement et parfaitement. Et mes oreilles fonctionnent de manière optimale. Ma peau est lisse, saine comme celle d'un nouveau-né et à la beauté de Dieu. Mes follicules pileux se sont serrés. J'ordonne à mes cheveux de rester en place et là où la croissance est nécessaire, je libère l'accroissement dans mes follicules. Mes dents, mes gencives, les os de ma mâchoire, les nerfs et l'approvisionnement en sang sont tous sains, forts et parfaits. Toutes mes hormones et tous mes transmetteurs neurochimiques sont en parfaite harmonie les uns avec les autres et exécutent leurs fonctions normalement. Mon système digestif est capable de digérer, d'absorber et d'assimiler tous les aliments ingérés
et les déchets métaboliques sont excrétés régulièrement. Mon système reproductif produit et dépose des spermatozoïdes en quantité suffisante et de bonne mobilité. Mon système productif produit des ovules en temps voulu, protégeant et nourrissant le fœtus jusqu'à la naissance. Chaque organe, chaque tissu de mon corps fonctionne dans la perfection à laquelle Dieu l'a créé pour qu'il fonctionne. Et j'empêche tout dysfonctionnement et malformation dans mon corps au nom de Jésus. Toute mon anatomie et physiologie humaine est perfectionnée dans la gloire de Jésus-Christ. Alléluia! Amen. Dieu le Père même, je le sais. Dieu le Fils même, je le sais. Dieu l'Esprit même, je le sais. Shalom!